C'est ce que nous faisons cette semaine sous la houlette du général Georges Lin, puisque c'est lui qui est le patron du chantier. Et donc c'est lui qui a voulu pendant une semaine qu'on puisse adapter la base de vie pour, en fonction du coronavirus. Il faut essayer de refaire les douches, les élargir un petit peu pour être sûr qu'on respecte au moins notre mètre ou notre mètre et demi, que les vestiaires vont être modifiés, qu'on va installer une restauration parce que il faut que les cordistes et les compagnons du devoir puissent travailler et manger. Étant donné qu'il n'y a plus de restaurant, tout est fermé, donc il a fallu mettre en place une restauration. On a mis en place aussi des recherches de chambres dans les hôtels pour qu'ils puissent loger, pour éviter tous ces trajets qui risquent d'être quand même très, très chargés, surchargés, et pour éviter naturellement qu'ils attrapent le coronavirus. La priorité maintenant, c'est d'enlever effectivement l'échafaudage que vous voyez derrière moi. C'est un travail difficile, un travail qui demande que les cordistes soient justement j'allais dire, un peu pacifiés. Hein, on ne peut pas les stresser. Il ne faudrait pas que le Covid soit là pour les stresser. Donc il faut plutôt qu'ils soient détendus. Je pense que le fait de manger sur place, le fait d'être logé, je pense que ça peut effectivement les détendre pour pouvoir faire ce travail délicat qui sécurise, qui sera la fin de la sécurisation de notre cathédrale.